Donc bonjour à tous, ici Eliott Dépannage Informatique et donc aujourd'hui je vais vous présenter la petite application qui se nomme Canal+. Canal+, c'est quoi? Bah, comme son nom l'indique, c'est Canal+, quoi. C'est comme si vous l'avez sur la télé, vous devez savoir ce que c'est logiquement, puisque vous l'avez. Donc cette application va vous servir tout simplement à capter Canal+ sur son iPad, iPhone et iPod Touch. Il vous faut bien sûr au préalable, avant de la télécharger, sinon ça ne vous sert à rien. Un nom d'utilisateur, un mot de passe. Normalement, vous appelez Canal+, vous devez peut-être l'avoir avec le manuel. Et bien sûr, vos papiers. Si vous ne l'avez pas, vous appelez et ça va être facturé 4 euros de plus par mois. Et donc, vous allez pouvoir l'avoir en illimité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils font payer 4 euros alors vous payez déjà au moins 40, quoi, mais bon. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous tapez Canal+ dans le Apple Store et on va l'ouvrir. CanalSat et Canal+, hein, les deux. Là, donc c'est simple, vous allez choisir. Il rame un peu, je sens qu'il va m'afficher quelque chose. Non. Vous choisissez CanalSat ou Canal+, moi j'ai choisi Canal+. Vous allez devoir entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, voilà, on va taper hop, CanalSat, je vais mettre une chaîne au hasard, TF1. Un peu long, hein, l'iPod Touch 2, mais bon. Normalement, à Noël, j'ai l'iPad, ça va être pas mal. On va vous faire des vidéos en plus grand, quoi. Vous allez mieux voir. Surtout, ne te presse pas. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez le guide TV, bien sûr, les chaînes. Guide TV, soit pas trop long. Mon espace, voilà. Voilà. Donc, les chaînes, on va taper par exemple allez, les experts, il est quelle heure? Il est minuit 12 là. Déjà. Email, hop, on tape l'email. Donc je vais taper mes identifiants là. C'est quoi déjà? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, le majuscule automatique. Voilà. Point. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir mettre des majuscules? Voilà d'où. Mot de passe. Ouais, c'est ça. Hop, 2 petites secondes. Bien sûr, on se demande pourquoi il se centre pas. Oh, ça m'énerve. Alors, 2 petites secondes. Je galère à max là. Allez! Mais il m'énerve lui. Voilà. Faut qu'il me fasse ça dans la vidéo. Non, mais il est trop fort. Hop. Passe. Je vais copier l'adresse, hein, au cas où. C'est son adresse email qu'il faut mettre. Ah, je supporte plus les vieux trucs Apple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Avec l'iPhone 4, ça marche. Chrome, voilà. C'est bon. Chargement, quoi. Les iPhones qu'on clique à côté, ils aiment pas trop en général. Qu'est-ce qui me fait? Ah oui. Super. Vous en faites pas, c'est normal, c'est qu'il date un peu, comme je vous l'ai déjà dit. Sinon, vous l'aurez jamais quitté, il aurait directement affiché TF1. Ça me saoule de travailler avec du matériel pourri, quoi. Voilà, les experts. Te presse pas, surtout. S'ils quittent, bah, franchement, là, je peux rien faire, hein, c'est que ça vient de leur... Ah bah. Mais comment qu'il y a 7 à 8 là? Ah non. Bon, c'est qu'il est un peu, hein, un peu faiblard, mais bon.
Ben voilà, c'est... Voilà. Je stresse pas. Voilà. Donc là, vous avez la télé directement en direct. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez donc visiter mon site Elliott Dépannage Informatique directement accessible depuis Google. Vous abonner à mon Twitter, à mon Facebook, à mon YouTube et visiter ma galerie Flickr. Merci.